Allez, on va être parti. On a encore quelques virages puisque le départ se fait dans la descente. Oh, j'ai oublié de baisser l'ABS. Prêt pour prendre la Mustang bonne sur Spa. Alors, tu mets la hauteur de caisse à l'arrière à fond, au maximum. La hauteur de caisse à l'avant au minimum. L'aileron à fond. Et puis après, c'est la méta classique avec les dampers, c'est le pincement. Hein. Allez, on va être parti. Green light, go go go. Merci. La vitesse de la BM, ok. Car on the right. Clear on the right. Vous attendez pas un dive ici. Ah mais oui, stop. Oh le con, j'étais pas en mapin. Oh le gros con, j'étais pas en mapin. Je l'avais changé pendant le tour qualif, je l'ai pas rechangé, putain. Eh bah faudrait le bouffer. Hein. Elle a pas le temps, Sarah. Ouais, elle a pas le temps, mais c'est surtout que j'avais la map 3. Bon. Mais oui, de toute façon, elle roule très bien. Hein. Ça s'est vu sur son freinage. Le freinage, c'était pas la map. Allez. Les pressions vont être un poil hautes au début, mais ça devrait aller pour la fin. Ok, ok. Bon, c'est chaud. Bon, c'est chaud à Valentin. La 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 la. Car on the left. Clear on the left. Yes. J'ai pris le bon côté. Il y en a d'autres qui ont eu moins de chance. Un peu trop pas le temps, c'est ça. Merci Emmanuel pour le like. Thank you.
Allez, on est bien placé là, il y a peut-être quelque chose à faire au bus stop. Pression. Je prends pas le cut. Ok. Pourquoi elle a glissé cette salope? Ah putain! Car on the right. Clear on the right. Pourquoi elle a glissé? Bon, ça va, j'ai pas trop perdu. P10. AstroTurf? J'avais l'AstroTurf encore? Ah, j'étais sûr d'être dehors, ok. Ok. Donc c'est moi la salope en fait. Je suis concentré sur le tower, je suis pas concentré sur la piste. Voilà, là c'est beaucoup plus smooth. Clairement moyen de le doubler lui. Oh, c'était bon ça, putain! Ah,
Allez. Je peux freiner un peu plus tard, mais... C'est grave. 27.5, ok. Ouais, je suis washed. Quoique, j'étais en fight, ça devrait aller. Ça va qui est pas loin, 3 secondes 5. Tout est faisable. Ah, et c'est fait doublé par Bernard Denis, ok. Trop de livreurs. Un poil tôt encore, je peux mettre ça. On fera un peu plus tard. Il est chaud quand même. C'est un peu mieux la corde. Pas parfait mais c'est mieux. La console ça va. Oh. Oh Sarah, rip. Bon bah... Elle repart loin et là la voiture elle est cassée je crois. Chacun son tour de faire une erreur. Et tourne. Mathéo, j'ai eu un imprévu, mon portable, je suis là. Ça marche. Sois bienvenu ici aussi, Mathéo. Merci Blanchi Hugo pour ton follow, sois bienvenue également. Oh. Alors, Alain, vous êtes un spécialiste de l'explosion. Comment la prévenir? Pouf.
Oui, c'est sur LFM, tout à fait. T'as mon Elo qui est juste en dessous de ma cam, avec le soft, donc le niveau moyen du serveur, entre guillemets, où roulent les pilotes en ce moment. Et le numéro du split qui est affiché. Donc là, en l'occurrence, c'est le split 1. Et le soft, j'arrive pas à voir, mais il a plus de 3000, je pense. Un peu loin encore. Ça s'écrit Bianchi, pardon. Ah, pardon, j'avais pas vu. Autant pour moi. Bianchi, oui, bah comme Jules Bianchi. Le regretter. Merci pour la correction. Rodriguez qui prend DT déjà. Eh ben. Comme on rentre en FM, faut pas faire un certain temps sur un circuit. Si, si, tu as un road stint à faire de 5 tours, je crois, ou 7 tours, je sais plus, d'affilée. Avec un temps moyen minimum à faire sans sortir, hein, faut que ce soit des tours valides. Je t'invite à regarder la vidéo de Naga. Il a fait une vidéo qui explique tout ça. Alors, bien évidemment, le circuit qu'il va présenter va changer en fonction des saisons, mais l'idée est exactement la même. Et la mécanique est exactement la même. Je t'invite à aller regarder. Oui, comme Jules Bianchi, évidemment. Et honnêtement, c'était un de mes pilotes préférés dans la génération qu'on a eue dans ces années-là, malheureusement. Le temps à faire est compliqué ou c'est assez facile? Alors honnêtement, ça va vraiment dépendre de comment tu te positionnes par rapport à ça, parce que pour moi, oui, mais moi j'ai 4 ans d'expérience sur le jeu, il y a plus, j'ai 2000 heures de pratique, donc forcément, mon jugement est complètement biaisé par rapport à quelqu'un qui découvre le jeu. Le warning le plus inutile du monde en étant au-delà de la ligne extérieure avant blanchiment, mais bref. Freinage il est ok là. Allez, 2 secondes d'une devant. Pareil, je peux freiner plus tard ici. Pas vinté là-dessus. Ah, il roule toujours aussi bien, Domini, hein, avec sa GTA en plus. Ce virage là d'un coup. T'es trop ralenté ou quoi?
26-7, ah ouais. Box this lap, ça va être parfait pour la mi-course. Ah putain, je suis trop gourmand, là, c'est rentré encore. Je perds plus que le sorti, ce que je gagne, plus que je gagne en entrée. J'aurais peut-être trop d'essence, mais c'est pas grave. Je préfère avoir 4 litres de trop qu'avoir 2 litres de manque. Yellow flag, exactement. L'Apex, je freine un peu tard. C'est quoi le cœur? C'est mon BPM. 7 battements par minute. Que tu as en temps réel. Cardiaque. Ok, il y en a déjà quelques-uns qui sont en train de pique, je fais pareil de mon côté. Ça fait Max. Quelle mauvaise langue, le Damien. Quelle mauvaise langue. Bon, et ben, il n'y a plus qu'à faire le pit. J'espère faire un bon pit et ne pas rendre hommage au savoir-faire de Damien, que je connais très bien aussi. Ah, en mètres secondes. Ah, oui, d'accord. Alors, ça me va. Là. Si c'est en mètres secondes, ça me va. Mais bien des wets, pas comme Gataka. Ah non, mais je change pas les pneus. Les pneus ont l'air plutôt bien, donc je vais pas les changer. Non mais j'ai fait pire, Damien, sur le pit stop, donc... Je te remontrerai mon intro si tu veux pour la voir. C'est goldé. Allez, 2 secondes. Ah, dommage la Ferrari qui passe... Ah bah Gataga qui est resté au pit. Oh non! J'aime pas ça. Il a mis les secs, il a planté. Ça. Ah, c'est que là il vient de faire, d'accord. Pour ta personne qui te gêne, toi.
Ben oui, mais c'est normal ça, Damien. C'est réservé aux membres du club Ford, du club Mustang. Bonsoir 14. Enfin, Xiv. Ou dois-je t'appeler 14? En fonction de... comment tu l'écris? Parce qu'avec Askip, je t'ai vu en lambeau avec marqué 14. Comment ça va? J'ai vu tes commentaires déplacés chez lui, ça. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, mon cher. T'étais en maca, hein? Bah, c'était qui 14 alors? Ou alors je me suis planté. 14, ok. Ah ok, je pensais que c'était en lambeau. J'ai dû confondre avec une voiture que t'avais vue à côté, que t'avais à côté dans le tower à ce moment-là. Ok, autant pour moi. Dans les spectateurs, il y avait Monsieur Genou avec les yeux. Quoi ? Les yeux qui bougent. Qu'est-ce qu'il raconte, Monsieur Genou avec les yeux qui bougent ? Qui il parle ? Ok, la maca elle est bouffée. Car on the right. Clear on the right. Ok, donc on est deux à pas avoir changé les pneus. Et la maca, normalement, si je ressors devant, c'est parce qu'il a foiré son pit. Ou alors il a géré du trafic. Et ça me fait une place de gagner à l'undercut, sans changement de pneu. Ou alors j'ai complètement foiré mon pit stop, et lui a changé ses pneus. Je n'ai pas le sentiment. Le fond McLaren et Lambeau, c'est que tu veux... Ah bah j'ai des lunettes, donc bon... comment te dire? Je ne louche pas, mais bon... Ma vue n'est pas... C'est moche, c'est un cut, voilà. Voilà. On assiste à une raffise. C'est bien, il est gentil, il laisse la place. Un petit warning pour dire merci. Il a fait un bon pit là sur la BM. Hein. Il était plus loin que ça. Il était à 3 secondes 5 et là il est juste derrière donc
On est très très bien là dans le pif-paf, ok. Ah exactement, un 14 qui est qualifié en P14, c'était beau. Il y a 7 tours à tenir pour le retenir derrière. Putain, ça m'énerve, j'arrive plus le rayon. Allez. Le volant pour tirer. Ouais, c'était moi. Et donc c'était toi, ça marche. Ah, c'était cool notre baston là sur Kialami, c'était bien sympa. Bon, je t'avoue que j'ai complètement foiré le freinage la première fois que je t'ai attaqué. Ouais, ouais, non, c'était cool. Yellow flag, exactement. La belle baston là pendant tout le secteur 2 là, avec du 2 de front un peu partout. Faudra qu'on se la refasse replay juste après. J'ai pas pu la regarder avec la course qui commençait ici. Mais c'était bien cool. T'avais foiré le T2. Ah! D'accord. Bah, rip. Eh, bien joué, lui. Il m'a foutu la pression. J'ai fail. Alors est-ce que je peux repasser après le réunion? Le pouvoir du rose. Ouais. Non, imbattable la Mustang ici. Il roule trop bien. Slow car ahead. Je vais rester safe pour pas prendre de cuts les 5 tours qui restent. Et peut-être qu'il fera une erreur. Non, j'utilise pas assez ces drives, ça m'intéresse pas. Je respecte ceux qui le font, hein, mais moi ça m'intéresse pas honnêtement. La TH d'ACC me donne tout ce dont j'ai besoin. La seule chose qui pourrait être utile éventuellement pour le stream, c'est l'overlay pour les lots dans le tower, les lots des pilotes, mais c'est tout. Hein.
à la limite le gain. Le gain d'élo ou le perte d'élo sur la course en fonction du résultat prévu, mais c'est tout. Là j'ai tout. Pas d'intérêt. Et niveau data c'est top. Je vais simuler 2 semaines. Bah sur le temps réel oui, mais comme j'utilise le Motech, une fois que j'ai fini mon relais, j'ai les infos. Donc, chacun y trouve son bonheur, très bien. Moi, il n'y a aucun débat là-dessus. C'est comme ceux qui roulent en Ferrari ou qui roulent en Aston. Chacun son truc, hein. Il y en a bien qui roulent en Porsche. Je savais que t'allais réagir, Elix. Merci Nicolas pour ton follow. Welcome. Thanks for the follow. C'est des puristes, attention. Ah ouais. S'ils ont pas un 6 cylindres, c'est fini. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Le moteur de la Porsche du Mans, là, l'hypercar, c'est quoi? C'est un V6? Je sais plus. C'est un V6, V8, ok. V6 hybride. Okay. V6 plat hybride W16. Pourquoi pas. V8 4 litres 6 biturbo. Ok, alors dans ce cas-là, Ilix, j'ai besoin de ton avis honnête et solennel. Comment te réconcilies-tu avec le fait que tu loues le flat 6 de la 911 mais en même temps tu te rues sur la Porsche en hypercar qui a un V8 turbo?
Parce que là, on est dans la vitesse pure, mon copain. Et alors ? Donc tu justifies une infidélité au flat 6 par la performance, tu es d'accord avec moi ? C'est pas de ma faute si Porsche eux-mêmes met un V8. Ah mais ça c'est pas le problème. C'est pas le problème Ibix. Tu trahis toi-même le flat 6. I'm sorry about Bogart, I don't understand. Please speak English. Or French if you can. But English at least. I honestly don't understand what you've been saying, so... Une tromperie du flat 6, exactement Valentin. T'as tout bien résumé. Et ça commence à drifter. Le P1 a... Ah, je pense qu'il va y avoir deux tours. Je pense qu'il y aura deux tours. Ah, on a le mode cassette Ibix. Ok. En mode ouragan. Il va falloir que je prévienne Stéphanie alors. T'as un canal plus scripté, ouais d'accord. J'hésite entre mon imitation des cigales ou mon imitation de la chaîne cryptée. Tellement c'est nul. C'est bon, c'est revenu. Ok, ça marche. Ça commence à être tendu les pneus là. The leader has finished the race. Ah non, il n'y a pas d'autre tour, ok. Un demi-tour, ouais. Ouais.
C'est la caméra qui fait cette impression là, X. P7, oh, et ça va être juste à l'heure pour la course d'après sur Kelani. Je vais pas avoir le temps de regarder le replay, on va tous faire d'affilée.